Si tu lui donnes enfin ce qu'il veut, il disparaîtra de notre vie et on pourra aller de l'avant avec une bonne fois pour toutes. Je n'en vois plus la fin, je veux sentir tes lèvres sur les miennes. Et là tout ce temps qu'on voit passer, pourtant j'ai peur de t'avouer que j'ai mal chaque fois que je te vois. Je réalise comme j'ai besoin de toi. Je t'aime, 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 je déteste t'aimer. Tu la trouves si belle, mais je ne serai jamais elle. Tu sais où je suis allée hier soir? J'étais dans un hôtel, pour voir un homme, un homme qui me trouve fascinante et qui apprécie ma compagnie, mais je n'ai rien fait. C'est dommage de t'être privé. Et je suis fatiguée, mais jamais de toi. Je pourrais tout faire pour toi. Je veux que nous divorcions. C'est un cauchemar et je ne tiens plus. Voilà, je voulais voir le rêve de visage partir en miettes après que tu vives. C'est le même cauchemar que moi. Je t'aimais, je te hais. Je ne savais pas que tu me haïssais autant. Je t'aimais, je ne veux pas, mais je ne veux pas. Je suis la personne que tu m'as obligée à devenir. Je t'aimais. Quel est le motif de votre divorce? L'adultère de Michel. Je vis en compagnie d'Elsa Einstein depuis environ 4 ans.